Le col de la Bonnette est un col de haute montagne, à 2715 mètres d'altitude, où la route passe pour relier la vallée de l'Ubaye à celle de la Tinée. Le col de la Bonnette se situe entre la cime de la Bonnette, 2860 mètres, et la cime des Trois Serrières, 2753 mètres. Une bonne partie de la route entre Jeuziers et Saint-Étienne-de-Tinée est située en zone protégée du parc national du Mercantour. Jadis, cette voie stratégique n'était qu'un chemin muletier. Il est élargi dès 1832, mais la route actuelle ne fut achevée qu'en 1964. La route du col de la Bonnette passe par le faux col de Restefond, 2656 mètres, et quelques mètres en dessous du col de Restefond, 2680 mètres, sans toutefois l'emprunter. Pour cette raison, on parle parfois du col de la Bonnette-Restefond, les deux cols étant situés à proximité l'un de l'autre. La route est fermée en hiver. Il s'agit d'une route communale sur le versant des Alpes de Haute-Provence, au nord, depuis son abandon par l'armée, qu'il entretenait jusque-là, et d'une départementale, devenue métropolitaine, le 1er mars 2012, sur celui des Alpes-Maritimes, au sud, avec une déclivité de 8%. Il existe une controverse sur le fait que la route de la Bonnette soit, comme il est indiqué au pied du col, la plus haute d'Europe. Le col de la Bonnette culmine à 2715 mètres, il existe, donc trois cols routiers alpins dont les altitudes sont supérieures à celui-ci, les cols de l'Isran, 2764 mètres, du Stelvio, 2757 mètres, et Agnel, 2744 mètres. En revanche, depuis le col, une route permet de faire le tour de la cime de la Bonnette, 2860 mètres, cette route est appelée, improprement, car ce n'est pas un col, col de la cime de la Bonnette, et son point culminant atteint 2802 mètres, ce qui en fait la route goudronnée la plus haute de France. Ce n'est cependant pas le point le plus élevé accessible en voiture dans les Alpes. La plus haute route goudronnée est le portail sud du tunnel de la Hauteste Gletscherstrahe, en 2829 mètres, en Autriche, dans la région de Soldan. Cette route est plus large que celle de la Bonnette, mais aussi plus raide. Elle est à péage, ouverte à la circulation publique et conduit à deux centres de ski d'été, avec restaurants, grands parkings et centres commerciaux. La piste menant à l'observatoire astronomique, situé au sommet du pic de Château-Renard dans le Queyras atteint 2990 mètres reste accessible à des voitures de tourisme, mais elle n'est pas goudronnée. De nombreux endroits situés dans des stations de ski permettent également à des véhicules tout-terrain d'atteindre des altitudes élevées. Par exemple, il est possible d'atteindre un point proche du Grand Col, 2935 mètres, au-dessus de la station des Arcs 2000 en véhicule tout-terrain. En Italie, la route du Col Sommeiller, située à la frontière franco-italienne au-dessus de Bardonecchia, atteint les 3000 m. Le Col du Gendry, 3151 mètres, est également accessible aux véhicules tout-terrain à partir des deux Alpes. La route la plus haute d'Europe hors Caucase est celle menant de la station de ski de Pradolano vers le sommet du Pico Volta, 3398 mètres, dans la Sierra Nevada, non loin de la ville de Grenade dans le sud de l'Espagne, mais elle n'est pas ouverte aux automobiles. Les plus hautes routes praticables recensées sont le col de Suge, la Suge, à l'ouest de Laza, 5430 mètres, et le col de Semo, Semola, 5565 mètres entre Raqqa et Kokand, au Tibet.